85 chevaux, c'est cool, c'est sympa, c'est rigolo. Mais pour un slipper de guerre, je trouve ça un peu léger quand même. Pour pallier à ce problème de puissance, j'ai dû trouver une solution. Au début, je me suis dit, on va optimiser le moteur de la gauloise pour lui faire sortir le maximum de chevaux, c'est-à-dire à peu près maximum 140 chevaux si on est vraiment très fort. Mais malheureusement, pour un slipper de guerre, je trouvais que ce n'était pas encore assez. Ensuite j'ai pensé comme tout le monde au swap. Et je me suis dit mais quel moteur on pourrait mettre dans la Gauloise pour pouvoir atteindre les 200, euh, enfin les 240 chevaux. J'ai réfléchi, longuement réfléchi, et je me suis dit mais en fait, c'est pas encore assez pour un slipper de guerre. Jusqu'au jour où ma prière a dû être entendue et j'ai trouvé la solution. Je suis surexcité de vous montrer enfin le projet Slipper de Guerre. Avec la Gauloise. Je ne vous cache pas que ça fait déjà plusieurs semaines que je travaille sur ce projet, que je le prépare. Ça fait plusieurs semaines que j'ai du mal à dormir, que j'ai mal au ventre. Mais enfin, je vous le dévoile. Pour les connaisseurs, vous l'avez déjà reconnu c'est un moteur de 205 GTI 1,6 litre. Un moteur qui, d'origine, développe seulement 105 chevaux. Vous êtes sûrement en train de vous dire putain, le mec, il nous parle d'un slipper de guerre et après il nous montre un moteur de 105 chevaux. Mais attendez un peu. Ce moteur-là est un moteur atmosphérique. Avec une très grosse préparation, on peut peut-être espérer gratter les 150 chevaux. C'est bien, mais c'est pas encore assez. Et pour pallier à ce problème de puissance, il y a une solution très simple qui s'appelle un gros turbo. Ce que vous voyez devant vous, c'est seulement quelques pièces du moteur que j'ai posé ici pour faire une intro. J'ai évidemment toutes les pièces pour pouvoir le remonter entièrement. Mais pour pouvoir commencer et terminer ce projet, pour aller distribuer des fessées un peu partout, je vais avoir besoin de vous. C'est pour ça que pour la première fois sur ma chaîne, j'organise un concours où je vous fais gagner plein de trucs en échange d'une participation à une cagnotte. Pour ce concours, j'ai réussi à vous dégoter pas mal de lots à gagner. Pour commencer avec les lots à gagner, j'ai envoyé un petit message à ANL pour leur demander s'ils pouvaient participer au concours. Et ils m'ont répondu On va pas t'envoyer un truc, on va t'envoyer trois kits boulonneuses, visseuses avec deux batteries et 64 accessoires. Malheureusement, je ne les ai pas encore reçus, donc je ne pourrais pas vous les montrer de suite. Je vous mets une photo quelque part sur l'écran. Bon, finalement, deux jours plus tard, j'ai tout reçu. Voilà. Les trois kits que je vous fais gagner. Hop là, je vais vous montrer ça de plus près. Vous avez plein d'accessoires dedans, vous avez des forêts différents. il y a des douilles pour la, pour la visseuse. Désolé pour la lumière, ça reflète un peu, parce qu'il y a encore le plastique. Euh, plein d'embouts. Voilà, plein d'embouts plats, euh, torx, euh, cruciforme. Là, vous avez encore euh, un accessoire que j'ai utilisé euh, pour faire des trous dans le toit de la mulasse. Vous avez un mètre ici. Et en fait, à l'intérieur, vous avez la... La vicieuse boulonneuse. Voilà. Donc je les ouvre pas. Ils sont là. Ils sont bien arrivés. Donc voilà les premiers lots que je vais vous faire gagner. Allez, on reprend la vidéo. Oui, maintenant que je suis dans le garage, je suis entouré de toutes les pièces du moteur. Il y en a tout autour de moi. J'ai pris une lourde décision pour ce concours. Euh, j'ai décidé de tout simplement vous donner tout ce que j'ai euh, pour pouvoir réussir ce seul projet. Avant de vous parler des trois prochains lots que je vais vous faire gagner. Parce qu'il y en a encore trois et c'est pas fini parce qu'on y en a encore après. Je voulais vous parler de l'objectif de la cagnotte. Vous le savez, une prépa ça coûte très très cher, surtout sur des moteurs comme ça où il n'y a absolument rien de prévu pour accueillir un turbo. Il va falloir faire énormément de pièces sur mesure parce que toutes les pièces performance qui existent pour ce moteur là sont des pièces haute compression. En sachant que quand on met un turbo sur un moteur atmosphérique, le but est de baisser la compression du moteur. Il va falloir faire un très très gros travail. Sur ce bordel derrière moi, j'ai fixé l'objectif de la cagnotte à 20 000 euros. 20 000 euros, c'est moins que ce que va me coûter tout ce bordel, sans compter le moteur, sans compter toutes les pièces qui vont sur la voiture, train avant, train arrière, gros freins, tout ça. Il y a énormément de pièces en dehors du moteur qui vont me coûter une demi-couille. 20 000 euros, ça peut paraître énorme quand on en parle comme ça, mais finalement, c'est pas tant que ça pour une préparation. Je pense que les gens qui regardent cette vidéo et qui connaissent le monde de la prépa pourront le certifier en commentaire. On a dépassé les 16 000 abonnés sur la chaîne, donc déjà je vous remercie infiniment parce que ça va à une vitesse folle. Imaginez-vous une seconde, chacun d'entre vous envoie 1 euro sur la cagnotte, ça ferait 16 000 euros. 1 euro. Avec ces 1 euro, vous pouvez gagner un kit vous pouvez gagner d'autres trucs très intéressants que je vais vous proposer juste après, tout en soutenant le projet Slipper de guerre. Les prochains lots que je vais vous faire gagner seront débloqués à partir de certains paliers de cagnotte. À partir de 10 000 euros, je m'engage à vous faire gagner. Le Solex terminé roulant. Pour vous dire, j'ai continué le Solex. Il est en morceau à côté de moi là. Et j'ai envoyé mon moteur chez quelqu'un qui s'y connaît vraiment énormément en Solex. Chez Germcycle. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. Il est la plupart du temps sur TikTok. Mais il fait des projets de malade avec des moteurs de Solex ou ça. J'aurais pas le temps de m'occuper du moteur du Solex avec tous les projets que j'ai à côté. Donc je lui ai envoyé le moteur. Il reviendra tournant. On le remonte dans le Solex. On lui fait un look rats. Et je vous le fais gagner. Au oh bordel Sachant une chose, c'est que si on n'arrive pas à atteindre les 10 000 euros sur la cagnotte, ça servira absolument à rien que je garde la cagnotte. Donc je vous rembourserai tous et on changera euh, d'idée pour ce projet parce qu'en dessous de 10 000 euros, c'est même pas imaginable de faire un truc du genre. Et de mon côté, je vais envoyer aussi énormément d'argent dans ce projet et ça serait vraiment con que j'arrive plus à vous sortir de vidéo ou que le projet s'arrête net par manque de moyens. Si on arrive au palier des 15 000 euros, je m'engage à vous faire gagner la derby que j'aurai entièrement terminée, euh, avec ses papiers, toute nickel, prête à l'emploi. Troisième palier, si on arrive aux 20 000 euros, enfin on arrive aux 20 000 euros, je vous fais gagner le Solex, la derby en milieu d'année et en fin d'année, je vous fais gagner le caddie terminé, tout prêt. Je vous le fais gagner. Voilà, c'est un truc que je comptais garder pour moi, mais vu le projet, je vous donne tout ce que j'ai. Je vous le fais gagner aussi. Donc voilà, on a les lots mais c'est pas terminé parce que si vous n'avez pas gagné tout ça, je vous propose encore des petits lots sympas pour vous récompenser encore une fois et vous faire plaisir. Je compte vous faire gagner bielle piston de ce moteur là. C'est un peu con comme idée, mais je pense que ça peut vous faire plaisir, faire un petit objet déco ou un petit objet collector. Donc j'aurai trois biel piston à vous faire gagner en plus. J'ai pas le quatrième parce qu'il me manque une bielle. Et pour clôturer les lots du concours, je vous propose un truc que je vais sûrement regretter. Je m'engage à la fin du projet. Écoutez bien, à écrire tous vos noms ou vos pseudos sous le capot de la voiture. Sachant que ça sera un slipper de guerre et de l'extérieur on ne verra absolument rien, ça sera une voiture absolument banale, je ne peux pas écrire vos noms ailleurs que sous le capot. Quand on lèvera le capot de la voiture, il y aura tous vos noms écrits en dessous du capot. Du coup, en-dessus du moteur. On a fait le tour des lots, j'espère que c'est des lots qui vous plairont. Malheureusement, je ne peux pas vous offrir plus que ça pour l'instant, je suis encore une toute petite chaîne. Mais à l'avenir, j'aimerais vraiment vous offrir énormément de choses, on en reparlera. J'en ai discuté avec plusieurs personnes, dont des youtubeurs euh, assez connus dans le milieu de la 205, tout ça. Comme Thomas de Petite Sportive, que je remercie d'ailleurs, parce qu'il m'a donné énormément de conseils. Concernant le moteur maintenant, ça va fonctionner aussi par palier. Parce que si on arrive à peine à 10 000 euros, je pense qu'on va partir sur une préparation low-cost turbo. Vraiment low cost. Si on arrive à tirer entre 200 et 250 chevaux, je serais content. Troisième prépa, on part sur un turbo un peu plus sérieux, un truc un peu plus travaillé, tout ça, avec plus de pièces sur mesure. Et là, j'espère avoisiner les 300 chevaux. Et si on arrive à atteindre la cagnotte des 20 000 euros, je vais me casser le cul, je vais faire chier tout le monde pour trouver une solution et le faire dépasser 300 chevaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les pièces qu'on va changer tout ça, ça on verra au fur et à mesure du projet, je vous parlerai absolument de tout. Maintenant on va parler d'un truc intéressant, et je pense être le premier à vous proposer ça, peut-être que je me trompe, mais je pense être le premier. Beaucoup de personnes sont frileuses à l'idée de donner des sous pour une cagnotte tout ça, en se disant, euh, pff, le mec il va faire ce qu'il veut avec la cagnotte, et on n'en saura rien. C'est pour ça que j'ai trouvé une solution plutôt sympa, pour que vous puissiez suivre l'avancement de la cagnotte, les dépenses, des factures etc. je vais créer un compte bancaire dédié à cette cagnotte là. à côté de ce compte bancaire je vais créer un dossier google drive qui vous sera public à chaque fois que j'achèterai quelque chose que je dépenserai de l'argent pour tel truc ou tel truc. tout sera détaillé sur ce fichier drive. vous y aurez accès. les seules choses que je cacherai seront évidemment mon adresse mon numéro de téléphone etc. mes coordonnées ça sera libre vous pourrez voir vous aurez des screens de l'application bancaire pour voir où en est la cagnotte. Aujourd'hui j'ai besoin de votre aide pour que ce projet aboutisse mais j'ai absolument pas besoin d'aide pour vivre au quotidien. Et je sais que beaucoup ont abusé avec ce système de cagnotte. Donc j'ai vraiment envie d'être transparent avec vous, j'ai vraiment envie d'être clean à mort, je veux que tout soit détaillé. C'est pour ça que je vous ferai un bilan à chaque fois qu'une dépense sera faite parce que j'ai vraiment pas envie que vous pensiez que je profite de ces sous-là tout ça. Je m'engage à ne pas prendre un seul euro de la cagnotte sur mon compte personnel. Tous les gagnants des concours seront tirés en live, il y aura pas de triche, il y aura pas de je fais gagner mon collègue ou quoi. Vraiment ça sera du live avec la liste de tous les participants tout ça, on prendra le temps de bien montrer tous les participants. Vraiment je m'y engage, tout sera le plus clean possible. Et si ce projet aboutit, on verra ce qu'on peut faire avec mes connaissances incroyables en automobile. Sur les vidéos qui arriveront de ce moteur, il y aura l'apparition d'autres YouTubers qui sont bien plus calés que moi. En gros, sur ce moteur, je vais me faire la bite. Vous allez apprendre des choses, je vais apprendre des choses. Et si tout se passe bien, ça serait mon premier projet fou. Et j'espère le premier d'une longue liste. D'ailleurs, le moteur qui se trouve dans la 205 actuellement, le TU, on va pas le jeter. Hein. On va le garder pour un prochain projet. Je ne vais pas vous en parler maintenant parce qu'on a déjà un énorme qui nous attend. Mais ce moteur, on va en faire un truc aussi. Et il sera posé dans une autre voiture. Bon maintenant ce que je vous propose c'est une vidéo que j'ai déjà tournée sur ce moteur, le dépiotage complet pour faire un inventaire complet, savoir qu'est-ce qu'on a déjà, qu'est-ce qu'il faudra commander, qu'est-ce qu'il faudra réparer pour vraiment partir sur de bonnes bases. C'est parti. Oh c'est oh. Oh. lourd J'ai perdu un piston. Putain. Ok, bon, j'ai sorti mon nouveau bloc. un Litre 6 de 205 GTI, euh, tout en morceaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à le dépioter tranquillement. Euh, tout simplement pour faire un inventaire de toutes les pièces que j'ai et toutes les pièces qu'il faudra euh, commander par la suite. Le bloc, il y a déjà pas mal de choses qui ont été démontées. Hein. Donc nous on va enlever la poulie, la pompe à eau, enfin je crois que c'est la pompe à eau. Ouais c'est la pompe à eau ici. Euh, le tendeur, on va tout dépioter. Euh, la pompe à huile dessous aussi on va l'enlever. On va sortir les bielles, on va tout sortir. Je veux que mon bloc il soit complètement nu. Euh, je vous explique pourquoi. En fait, ce bloc il est pas tout à fait parfait. Je sais qu'il y avait un des goujons qui était cassé dans le bloc. Je crois que c'est celui-là. Et, euh, et du coup, impossible d'extraire le, 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 le goujon qui était coincé. Enfin, c'est pas des goujons, c'est des, des, des vis de culasse quoi. Ils ont dû repercer le bloc. Et mettre un hélicoïde à l'intérieur. Le problème c'est que l'hélicoïde qui est à l'intérieur, il n'est pas assez long. Si vous voulez, euh, un hélicoïde en général ça fait cette taille. Et le filetage euh, dans le bloc il est grand comme ça. Donc moi ce que j'ai peur c'est que le jour où on resserre la culasse comme il faut. Euh, c'est à dire euh, au couple et à, au serrage angulaire. J'ai peur qu'on arrache tout à l'intérieur. Et de devoir tout redémonter par la suite. Ça serait emmerdant. Donc le bloc je vais le mettre complètement à poil. Et, euh, et on verra, on va aviser. On, on verra sûrement avec un usineur ou quoi. S'il si, si a une solution euh, sympa pour ça mais voilà c'est le seul truc qui m'inquiète au niveau du bloc évidemment on en profitera aussi pour nettoyer tout le bloc complet euh, pour pouvoir le repeindre je veux vraiment qu'à la fin ce moteur il soit flambant neuf les vis de culasse on va les changer également euh, dans tous les cas je pense qu'on va devoir passer sur une, sur une vis de culasse un peu plus grosse de ce côté donc j'aurai pas le choix de les changer vu la gueule des vis je risquais pas de les remonter j'aimerais bien qu'on puisse venir retirer les guides là est-ce qu'ils vont sortir facilement <laughs> Non, évidemment, ils ne sortiront pas facilement. Comment je vais faire Ne vous inquiétez pas si je les abîme. C'est des pièces que je changerai aussi. Ok, l'huile est sortie. On va quand même réessayer celui-là. Au pire, j'y foutrai un gros coup de dégrippant. Non, il ne sortira pas non plus. Bon, on verra plus tard pour celui-là. Ça, je pense que c'est un capteur de pression d'huile. De je découvre le moteur en même temps que vous. Hein, donc, si je me trompe, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça m'aidera toujours. Mais oui, ça, c'est un capteur de pression. Je suis quasi sûr que c'est ça. Le filtre à huile, est-ce que je vais réussir à le sortir à la main Oui, il était pas serré. Ok, bah c'est tout neuf à l'intérieur. Bon là j'aimerais bien retirer la pouille d'ampeur. là. Le problème, c'est que j'ai pas de douille de 22. Merde Donc là, j'ai trouvé que ça. Je, je sais que ça n'a pas marché, mais, mais, mais je suis obligé d'essayer parce que je suis têtu. C'est sorti. Alors là, attention, il y a une clavette. Il Faut pas que je l'oublie celle-là. Que je la perde non plus. Parce que ça, c'est le genre de conneries que je suis capable de perdre. Et là... Là, on a un pignon. Ok. Une clavette encore derrière. La clavette de derrière, je pourrais l'enlever que après, je pense. Ou peut-être que je peux enlever cette, euh, cette bague. Non. Voilà, il faut que je retienne tout. C'est tout nouveau pour moi. Je découvre cet univers. Je découvre ce moteur. Heureusement que je filme parce que sûrement que je vais devoir re-regarder les vidéos pour me rappeler d'où va tout. Mais comme je vous l'ai dit, je vais le faire tout seul et je vais y arriver. J'en suis conscient. Je le sais que je vais y arriver. Mais à quel prix La petite clavette là-dedans. Alors je vais venir démonter la plaque qui est ici là pour pouvoir enlever la chaîne de pompe à huile. Ok, c'est du 11. Ok. Voilà. Oula. Par contre, il y a un morceau qui est cassé là. Donc je sais pas à quoi ça correspond. Il faudra qu'on regarde. Donc là normalement ça devrait sortir facilement je sais pas mais ça devrait sortir oui ok donc il y a un joint spi ici qu'il faudra changer on se retrouve avec le merdier là comment ça se démonte ça euh, comment ça se démonte ce bordel je sais pas du tout comment ça se démonte est ce que c'est monté en force j'en ai aucune idée est ce qu'il faut démonter peut-être la, la pompe à huile avant c'est ce qu'on va faire. La pompe à huile malheureusement j'ai qu'une vis, il faudra que je trouve les, les trois autres qui la tiennent. Là. Donc là je vais pouvoir retirer la chaîne normalement. Ouais c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais, il y a une plaque en dessous. Euh, je sais pas à quoi ça correspond ça. Voilà il y a ça dessous. Sors chénasse Voilà, voilà la pompe à huile. Alors il y a un petit point là, je sais pas s'il y a une synchro de pompe à huile, j'en sais rien, mais c'est bizarre ce point. Ça me dit rien qui vaille. Du coup maintenant je peux venir retirer Ma petite chaîne. Ah ben voilà, ça sort, ça sort tout seul. Hop Perfect On va enlever la clavette qui va dessous là. Ça va direct dans mon petit sachet. Pour ce moteur, j'ai commandé 200 pochettes différentes euh, pour bien mettre les vis, numéroter, euh, écrire à la main dessus où, où ça va, tout ça. J'ai pas envie de me perdre, j'ai vraiment pas envie de faire ça à l'arrache. Donc voilà, ça c'est les premiers sachets que je remplis, ah d'ailleurs je vais mettre la chaîne avec même si par sécurité je pense que je vais changer ça aussi ok hors caméra j'ai réussi à retirer le, 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 le guide là qui nous cassait les couilles je l'ai enlevé parce que j'aimerais bien poser le moteur comme ça pour pouvoir enlever mon vibroquin tranquillement tout ça là il n'y a pas de piston donc je suppose que la chemise elle devrait sortir plutôt facilement ouais, voilà une chemise de démontée oh qu'il est lourd le bâtard je sais pas si c'est de la fonte, non c'est pas de la fonte ça vous inquiétez pas, ça sera usiné donc c'est pas grave si je le pose à l'envers, c'est pas grave si je l'oreille, tout sera rectifié. Avant de remontage, je veux que ce moteur soit nickel. Avant de démonter tout le merdier, c'est mieux d'enlever euh, le volant moteur, je pense. Vous avez vu, je suis, je, bizarrement, je suis beaucoup plus calme que quand je travaille sur la, sur la mulasse, tout ça. Là, je vous avoue que j'ai beaucoup moins confiance par rapport à d'habitude. C'est vraiment... Là je découvre, hein, j'ai jamais fait ça de ma vie. C'est que le début d'une longue aventure. Et, euh, et j'espère qu'on va vraiment se régaler parce que je sens qu'il y a du potentiel de fou. Ok, est-ce que ça sort facilement ça Ah putain j'ai oublié d'enlever le petit truc pour caler l'allumage là. Voilà. Oui. Yes. Là aussi il y a un gros joint spi. Il y a un pion là, mais je pense qu'il ne s'enlève pas celui-là. Ok, le volant moteur qui est très lourd. Il faudra qu'on le remplace par un beaucoup plus léger que ça. Là ça doit faire au moins 7-8 kg je pense. Même 10 kg peut-être. On dirait un disque de, de muscle. Je remets un maximum de vis à leur place pour éviter de trop me perdre au niveau des vis. Allez, on rentre dans le vif du sujet là. Du coup, on va venir démonter les trois bielles qui restent là. Ok. Merde, c'est tombé dedans. Clac. Là, le coussinet, il est resté au fond. Ouf. Il n'est pas beau. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je pense qu'il était vraiment temps de les changer. Vu la gueule qu'ils ont. Peut-être que je me trompe, hein, mais ça a l'air de bien avoir frotté quand même. Ouais, les coussinets sont vraiment pas beaux du tout. Il a dû bien tourner ce moteur. Ah oh, putain! Je sais pas combien de kilomètres elle la veste bagnole, mais ça a bien morflé. On continue à lui démonter la gueule. Ok. Ça sort facilement. Coussinet de ville -Brecain. 9. Hop là ah, Ils sont super éteints hein, à l'intérieur. Allez, sort Ah, il sortira pas celui-là Putain Voilà Alors, ça, faut pas les perdre non plus. Je sais même plus comment ça s'appelle ça. Est-ce qu'on appelle ça des. des... Je sais pas, demi-lune Je sais pas comment ça s'appelle. Mais je pense que c'est des pièces qu'il faudra changer aussi. Et c'est bizarre, c'est que d'un côté. Vous foutez pas de ma gueule, comme je vous ai dit, je découvre. Donc, c'est que d'un côté, de ce côté, il y en a pas. il il a pas un pet de jeu rien Ouah comment je vais sortir ce bordel là Waouh mon dieu Même lui là-bas comment je vais sortir ça Il y a sûrement des outils spéciaux pour le sortir Il viendra jamais Est-ce qu'il faut que je le chauffe Mon dieu Bon Je vais réfléchir Bon j'ai pinaillé pendant vraiment euh, 10 minutes là Et euh, j'avais oublié que je ne filmais pas Mais j'ai sorti euh, le joint Spi qui était là là euh, je l'ai bien défoncé pour le sortir il était bien bloqué quand je l'ai enlevé il y a une un geyser d'huile qui est sorti qui m'a pourri mon pantalon donc c'est pas grave c'est pas grave il était prévu pour travailler mais là maintenant lui il bouge allez oui voilà c'est sorti je vous dis la vérité ça fait un moment que je pinaille là sur celui là euh, lui c'est bon nickel, il manque plus que celui là pour sortir le vilebrequin, je l'ai fait tremper un moment avec du dégrippant Il bouge pas d'un pet Oh c'est incroyable, je vais le bousiller ça sert à rien ce que je fais. Merde oh. On est marre, on est marre est... Bon on va sortir les, 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 les pistons en attendant. Ok. Voilà. Ok. Toi, t'es dehors. Allez, Kiki, on sort. Allez, bien là. Voilà. Le deuxième. La dernière chemise avec son piston. Ben, ils ont bien vécu. Hein. Au vu de l'état général euh, du moteur, là. Euh, les pistons... Pff, Ouais wow, ils ont bien chauffé, ils sont, sont, ils sont pas magnifiques quoi. Il y en a même eux qui forcent un petit peu là. Normalement c'est censé être vraiment euh, euh, très libre quoi. Et là c'est bah, bloqué quoi. Normalement l'axe du piston il n'est pas censé euh, forcer autant. C'est censé être vraiment vraiment libre et là c'est pas le cas. Euh... Je pense c'est un moteur qui a beaucoup de kilomètres, vraiment beaucoup de kilomètres. Il me manque une bielle mais j'ai les quatre chemises et les quatre pistons. Si on arrive à atteindre l'objectif de la cagnotte, on changera tout ça. On passera en bielle forgée, euh, piston basse compression pour le turbo tout ça, si si on arrive à avoir assez d'argent pour un turbo. Mais voilà, euh, ça commence bien. C'est un moteur dans tous les cas qui avait besoin d'une bonne restauration. Si j'avais pas eu le projet du turbo tout ça, je l'aurais sûrement remis en état d'origine avec des pièces neuves. Ça vaut le coup de le sauver, ce petit moteur, vous pensez pas Par contre, euh, j'ai toujours pas réussi à sortir le vilebrequin et ça, ça m'inquiète un peu parce que je suis vraiment pas bien outillé pour l'instant euh, pour ce genre de problème. Donc je vais, euh, je vais badigeonner encore de dégraissant et on va attendre. Hein, je, je, je verrai bien. On finira bien par trouver une solution. <laughs> viens voir euh, viens voir ce que je viens de, de de découvrir viens voir ce que je viens de voir à l'instant viens voir viens voir Ça commence à peine. Ça commence à peine. Je vous jure, ça fait une heure que j'essaie de sortir. Ça fait une heure. J'ai envie de pleurer de haine. J'ai envie de prendre la voiture et de m'encastrer dans un arbre. Depuis le début, il y a des vis qui tiennent le palier. Il y a des vis sur les côtés. Va te faire enculer. Oui. J'en peux plus putain, j'en peux plus. Voilà, je suis le roi des cons, mais j'ai réussi. Tout est sorti. Euh, les, les coussinets là de de, de, de vilo sont très très propres. Ça n'empêche pas qu'on ira faire vérifier le vélo, le faire équilibrer tout ça. Ça y a pas de souci, on le fera. On va récupérer les euh, eux là. On va les remettre ensemble, je vais tout réassembler dans tous les cas je vais tout réassembler sur le bloc pour rien perdre toutes les vis tout ça, enfin pas tout réassembler le vidéo je vais pas le remettre mais je vais remettre les, les paliers tout ça on s'occupe de la culasse demain Bon, on est jeudi. Demain la vidéo sort. Faut que je me bouge le cul sévère. Avant hier j'en ai bien chié avec ce moteur et j'en ai carrément oublié de démonter la pompe à eau tout ça. Donc aujourd'hui, on va démonter la pompe à eau. On va démonter le tendeur, On va vraiment le mettre à poil. J'ai reçu mes petites pochettes pour toute la visserie tout ça pour pas me perdre. Après, on s'occupe de dépioter la culasse entière. On fait le tour complet de toutes les pièces que j'ai. Vous allez d'ailleurs m'aider dans les commentaires pour me dire s'il manque beaucoup de choses. Donc je compte sur vous. Sur la pompe à eau, il me manque deux vis. Alors ici, je sais pas s'il y en a une de base. Euh, vous me direz dans les commentaires si vous connaissez ce moteur, mais je pense que c'est plutôt euh, euh, un filetage pour tenir quelque chose. Ok, ah bah ça sort tout seul, parfait. Voilà la gueule de la pompe à eau, bon dans tous les cas elle force, elle est, elle est toute bouffée par l'eau là, euh, on la changera. Par contre je suis très content, à l'intérieur c'est très très propre, donc il euh, n'y aura pas de souci à ce niveau là, il faudra juste bien nettoyer avant de remonter la nouvelle. Les trois pauvres vis là qui me restent de la pompe à eau, on va les mettre là dedans, hop. Et plus tard je noterai ce que c'est, si j'oublie pas. Bon, lui le tendeur là, on va le démonter. A mon avis il faut venir desserrer ici et les deux écrous qui sont pas serrés non plus. Parfait. Ou lui a sauté dans ma main, lui. Tac. C'est démonté. Pour les goujons comme ça, je vais utiliser la fameuse technique de l'écrou contre écrou. Hein. Hop. Peut-être qu'il y en a certains qui la connaissent pas. Il suffit juste de prendre deux écrous qui se vissent sur le, le goujon. Vous venez les serrer entre eux. Assez fort. Et ensuite, vous venez dévisser votre goujon. Tout simplement. Il n'y a pas plus bête. Bon, là, il faut dire que c'est bien sorti. Mais des fois, tu te fais chier parce que c'est rouillé à mort. Ou bloqué depuis l'ampèbre, donc voilà. Là, j'ai eu beaucoup de chance. Je pense que sur ce moteur, il n'y a pas grand chose qui est bien serré de ce côté du moteur. On a une sorte de sonde là, vu qu'il y a un truc en plastique dessous. Je pense que c'est la, la sonde pour le niveau d'huile. On va la démonter. Voilà, un petit coup et ça sort tout seul. Faudra faire attention. Il y a un petit joint dessous. Voilà, c'est ce que je pensais. Sonde de niveau d'huile qui est pas très jolie. Faudra peut-être la changer et le petit joint. Ici on a deux petites vis, c'est le conduit d'eau qui va directement dans la pompe à eau. Là. Ok. Donc de ce côté du moteur il reste que deux vis ici et ici, donc euh, je ne sais pas vraiment ce qu'elles viennent tenir. Si vous le savez dites-moi en commentaire. Mais dans tous les cas je pense que je vais acheter la revue technique cette fois <laughs> pour ne pas faire trop de conneries. Ça y est, mon bloc est complètement nu, il est prêt à être nettoyé, révisé, tout ce qu'il faut. Une bonne chose de faite. Prochaine étape, on va dépioter la culasse et ensuite on fait le point sur toutes les pièces qui nous restent. La culasse, elle a déjà été bien dépiotée, il n'y a même plus les ressorts de, de soupape, et du tout. Donc si j'appuie sur une soupape, hop, elle sort. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà sortir toutes les soupapes. Hop, admission, échappement. Putain, admission, échappement. Et pareil, échappement, admission. Tac, toutes les soupapes sont démontées. Je peux les mélanger parce que dans tous les cas, on va tout nettoyer, les portées, les machins, les trucs. On va tout refaire l'étanchéité des soupapes et on va sûrement les changer. Donc je me permets de tout mélanger, mais sinon, quand on démonte une culasse pour la remonter avec ses pièces, en général, on essaie de garder euh, les pièces dans le bon ordre. Bon, je pense qu'ici, on a le calor ça. Hop, rien n'est serré. Alors, ouais. Alors, euh, Carlos il s'est fait ouvrir la gueule. Là, le, le Calorsta a été supprimé. Ils ont juste laissé le support du calorstat avec le joint pour que ça fasse étanchéité. Mais là, ils l'ont supprimé sûrement parce qu'il devait s'ouvrir trop tard ou plus du tout s'ouvrir. Flemme de le changer, on le coupe et on remonte comme ça. Bon, je pense qu'on peut démonter tout le bloc là, on va essayer. Putain Ah Et ça, c'était ma main. Et là, normalement, ça devrait sortir. Voilà, facilement. Donc là on a un joint, ok. Alors je sais pas comment ils appellent cette pièce, euh, couvercle de calorstat, thermostat, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, elle est démontée. Je vais vous passer cette séquence en accéléré, mais je vais venir retirer tous les goujons du cache culbute et les goujons euh, de l'admission d'air. Oh. Croyez-moi, j'ai perdu cette bataille. Mais je perdrai pas la guerre. Oh là là là. Oui, c'est bon, je l'ai vu. Je l'ai eu cet enculé-là. Tu croyais t'en sortir comme ça, toi Je vais pas vous passer tous les goujons, vous avez compris le principe. Si je me fais chier à les enlever comme ça. C'est pour faciliter la tâche à l'usineur qui va s'occuper de la culasse, parce que si c'est pas moi qui le fait, c'est lui qui va perdre du temps à le faire. Donc autant que je lui ramène la culasse complètement nue. On se retrouve une fois que j'ai tout retiré. Vous imaginez même pas à quel point j'en ai chié pour retirer le dernier goujon. Tous les goujons du côté cache culbuteur sont sortis mais à merveille. Et du côté échappement, j'en ai chié à chaque. Goujon. Mais le dernier, le dernier, impossible de le sortir. Tout à l'heure, j'avais fait une installation dessus pour chauffer euh, la culasse. Malheureusement, j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer, donc j'ai loupé la, la séquence. Je vais vous remontrer ma technique incroyable pour faire chauffer la culasse. Voilà comment j'ai fait. Le goujon était ici, comme ça. Là. Impossible de le sortir. J'ai essayé mes 3 milliards de fois et j'ai laissé. Je vous jure que c'est vrai. Hein, j'ai laissé cette installation pendant une demi-heure sur la culasse au point que j'arrivais même plus à la toucher tellement qu'elle était chaude. C'est enfin sorti. Mais malgré tout, j'ai dû taper plusieurs fois dessus pour qu'elle sorte. Donc voilà, c'est fait, j'en ai jamais chié autant. Vraiment. Et je l'ai pas foiré, je sais même pas comment j'ai fait. Voilà, la culasse est prête à être nettoyée, préparée. Euh, tout ce que vous voulez, sabler, machin, y en a. Ça promet. Il est temps qu'on fasse le point sur les pièces qu'on a et qu'on n'a pas. Donc là, j'ai l'arbre à cam dans ma main. Euh, il n'est pas en super état, à mon avis, il faudra le faire vérifier aussi. Il, il, il est bien marqué. On a une poulie qui est montée dessus, elle est non réglable. Ça, je pense qu'il faudra qu'on passe sur une poulie réglable pour pouvoir bien ajuster le bordel. On a le collecteur d'émissions d'origine, donc je sais pas trop si on va garder celui-là ou il faudra en faire un sur mesure, j'en sais rien. Il est là. Un alternateur pratiquement neuf donc ça je suis très content aussi parce que quand c'est des pièces qui marchent encore c'est trop chiant à nettoyer donc je suis très content de l'avoir en bon état la boîte je vais pas vous la sortir parce qu'elle pèse une tonne mais elle est en très bon état euh, c'est une boîte 5 courte donc je sais pas trop si on va la garder parce que euh, si on arrive à foutre un turbo dessus une boîte courte je sais pas si ça sera le top on va dire parce qu'on pourra pas utiliser la la plage complète d'utilisation du turbo avec une boîte comme ça donc je sais pas si on gardera celle là ou on y foutra une boîte un peu plus longue je sais pas encore en tout cas elle est là elle est en bon état à l'intérieur on y mettra sûrement en auto-bloquant ça dites moi en commentaire ce que vous en pensez je sais pas si ça vaut le coup ou pas de le faire donc là on a un carton de pièces à l'intérieur on a bon ben, des carters en plastique là pour la distribution ça aussi c'en est un euh, cache encore là on a un support moteur donc ça c'est le support moteur du côté euh, ouais, du côté euh, distri, je pense. Ça support moteur de boîte je suppose. Encore des morceaux de support. Ok. Je découvre en même temps que vous, j'ai pas regardé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Hein. Donc ça ça doit un truc du système d'eau je pense. Euh, ça j'ai aucune idée de ce que c'est. Dites-moi en commentaire si vous savez. On a une rampe avec quatre injecteurs, c'est des injecteurs de 1,9 litre, c'est pas des euh, 1,6 litre. Ça, je pense que c'est la courroie accessoire, mais on va pas garder celle-là. Encore un carter, la fourchette de la boîte qu'on changera aussi. Euh, ça, je sais pas ce que c'est, ça doit aller dans la culasse, je pense. J'en ai aucune idée. Cache culbu, en bon état, nickel. Ça, on lui fera une belle peinture, on lui fera un truc sympa. Ça, ça doit aller encore sur le système d'eau. Je sais pas exactement ce que c'est non plus. Un plastoc. Et le joint de cache culbu. Donc, ça, c'est ce qu'il y avait dans tout ce carton. Dans ce petit carton, on a du coup les, les soupapes que j'ai enlevées tout à l'heure. On a tous les ressorts avec les coupelles. On a même les pastilles à l'intérieur avec les demi-lunes, tout ça. Ça, c'est complet, mais pareil, si on arrive à atteindre euh, la cagnotte, on changera tout ça. Dans ce carton, on a un allumeur qui est en très très bon état. On a ce truc là. J'ai aucune idée de ce que c'est. Vous me direz en commentaire pareil si vous savez. On a une autre tête d'allumeur euh, avec tous les fils, enfin tous les câbles de bougie, quoi anti-parasite, on a un corps papillon, euh, en bon état apparemment. Donc ça je sais pas s'il faudra qu'on garde, si c'est compatible avec la modification qu'on veut faire sur le moteur. Euh, je me renseignerai, vous inquiétez pas, on a du temps pour faire toutes ces modifs et, euh, et j'apprendrai sur le tas. On a de la visserie là, donc je sais pas à quoi ça correspond, on verra bien. Un guide, lui je sais où il va, il va sur le bloc moteur directement, j'ai vu où il manquait. Et là on a encore une pièce, euh, je ne sais pas ce que c'est. Apparemment il y a de l'eau qui passe à l'intérieur, vu l'état des, des embouts là. Euh, J'en ai deux, donc euh, je sais pas trop à quoi ça sert. Pareil, dites-moi en commentaire. Logiquement, on a fait le tour de toutes les pièces que j'ai. Il me manque le carter d'huile, mais euh, je vais le récupérer. Euh, il me manque un calculateur aussi, mais pareil, le calculateur, si on peut, on le changera si on a le budget. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu près de toutes les pièces qu'on avait. On a préparé la culasse et le bloc, donc ce sera la première étape on va dire, de, de la transformation. La suite du projet dépendra vraiment de vous. En fait, je, je sais pas où, où ça va nous mener. Soit la cagnotte fonctionne et on se régale, on, on fait des folies, soit elle fonctionne moins bien, on s'adaptera et on verra, soit elle fonctionne pas du tout, je fais un gros bid et, et dans ces cas-là, ben, on laissera ce projet de côté euh, pour plus tard, quand j'aurai beaucoup plus de moyens, parce que là, pour l'instant, je peux pas tout gérer seul, voilà. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, marquez-moi en commentaire, ça va chier sévère. Hors caméra, je vais ranger tout mon bordel là parce qu'il y en a vraiment partout, je vais me perdre. Toute la visserie, j'ai tout mis dans des petits sachets, j'ai marqué dessus ce que c'était, tout ça. Euh, j'ai vraiment pas envie de me perdre dans ce bordel parce qu'il y a vraiment beaucoup de pièces. J'espère vraiment que vous êtes autant bouillant que moi sur ce projet. Euh, Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ce style de vidéo où je vous montre tous les détails vous plaît. Ou alors si vous voulez des trucs un peu moins détaillés, ça me ferait vraiment plaisir de vous faire gagner de plus en plus de cadeaux. Parce que si tout ça ça existe, c'est entièrement grâce à vous. Donc je ne pourrais jamais assez vous remercier pour tout ça. Donc vous faire des cadeaux pour moi, c'est parfait. La cagnotte va durer un mois. Si je vois qu'elle se remplit assez rapidement, je pourrais avancer des frais de mon côté pour commencer les travaux. Après si je vois que ça peine à monter tout ça. On attaquera vraiment les travaux de la Gauloise seulement dans un mois du coup. Je pourrai pas toucher à la cagnotte tant qu'elle n'est pas terminée. Donc euh, on est un peu bloqué pour l'instant. C'est pas grave parce qu'on a pas mal de choses à faire sur la mulasse. Et il faut aussi que je continue le solex pour pouvoir vous le faire gagner. Donc je vous remercie encore infiniment, c'est grâce à vous que je vis tout ça. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée ou un très bon week-end. A la prochaine.